Salut les filles, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo haul encore. Donc j'ai craqué, bon on est au mois d'août donc c'est plus le mois de juillet, mais j'ai craqué pour la gamme encore ELF. Donc voilà, je vous présente, ça se présente toujours de la même façon avec le petit papier rose, la facture et tous les produits. Bien emballé évidemment, mais juste avant je voulais vous dire que si ce maquillage vous intéresse, et eh ben vous avez qu'à juste cliquer ici, et si le lien n'est pas encore là, c'est que je la mettrai plus tard. Donc voilà, c'est un maquillage, donc comme je vous ai promis, des palettes Beast. Donc si ça vous intéresse, je vous le mets juste ici. Alors on va commencer tout de suite. Donc pourquoi déjà j'ai recommandé chez ELF? C'est tout simplement parce que j'avais besoin de fossiles. Et chez eux, les fossiles sont vraiment top, top, top. Je vous les recommande, les filles. Elles sont vraiment géniaux. Alors, moi, j'ai pris les fossiles Tools. Donc, voilà comment ils se présentent. Je les utilise depuis maintenant plusieurs années. Je pense 2 ans. Et je recommande toujours, toujours chez eux. Ils sont juste à 1 euro. Donc voilà, déjà de bonne qualité. Ils durent vraiment longtemps. À 4 à 5 applications. Je peux les garder jusqu'à 5 applications maximum. Donc voilà. Déjà, la colle, je ne vous la conseille pas dedans. Il faut vraiment acheter une autre colle. Pas utiliser les petites colles qu'il y a dans tous les fossiles d'ailleurs. Qui fournissent avec, parce que c'est vraiment pas de la bonne qualité, ça va pas bien tenir toute la journée. Donc voilà, donc achetez une petite colle à part, investissez dans une bonne marque quand même pour que ça tienne toute la journée et pas que vous vous retrouvez à un style qui se barre au bout de l'après-midi. Donc voilà, c'est ça que je vous conseille. Mais ceux-ci, les filles, sont à 1 euro. Donc franchement, je suis vraiment ravie. Et j'en ai fait une petite réserve. J'en ai commandé 8. Donc voici les 4 premiers. Et les 4 derniers. Voilà. Donc franchement, je suis ravie. Je commande toujours chez eux pour principalement les fossiles. Et ensuite, évidemment, comme toute fille, je craque à côté d'autres choses, comme vous allez voir. Donc, j'ai craqué pour un blush de la gamme ELF. Donc, le site ELF, il y a 3 gammes. Pour celles qui ne savent pas, il y a la Studio, la Minérale et la ELF. La ELF est la moins chère, donc vous pouvez trouver des trucs à 1 euro, à 2,50 €, etc. Donc, ça, les petits fossiles sont de la gamme à 1 euro, donc la gamme ELF, comme vous avez pu remarquer. Ah, donc ensuite j'ai pris le blush, donc il m'a coûté 2,50 €. J'ai pris de la teinte Glow, donc c'est un espèce de pêche très, comment dire, satiné. Voilà, il se présente là. C'est vraiment un très très beau blush. On peut aussi le mettre en highlighter si vous voulez. C'est comme vous voulez, mais il est juste trop beau. Ensuite, j'ai pris un pinceau donc de la gamme ELF. Il m'a coûté 1 euro. C'est un pinceau boule. Je savais pas que ce pinceau était en mousse en fait. C'est pas... Voilà. Ce n'est pas en poils, c'est en mousse. Malheureusement, ça, je n'aime pas trop trop. Mais bon, pour 1 euro, voilà, j'ai voulu tester. J'ai pris une nouvelle ombre à paupières. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est de la gamme Studio. Fard à paupières marbré. Donc, celui-ci m'a coûté 4 euros. Voilà, il est juste magnifique. C'est un espèce de, comment vous dire, entre bordeaux et brun. Et mauve à la fois, c'est assez spécial, mais elle est juste magnifique. Regardez-moi ça, c'est juste une tuerie. Donc je vais vous la swatcher pour que vous puissiez voir. Déjà, voilà la pigmentation au premier passage, et voilà ce qu'il donne. C'est juste une très 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 belle couleur, et ça va très très bien aux yeux bleus. Si jamais vous avez les yeux comme moi, ça va vraiment très bien aux yeux bleus. Ensuite, j'ai pris des, comment on dit ça?
des sets à coussinets pour la pince, vous voyez, pour recourber les cils. Voilà, j'en ai pris, j'ai pris un petit set. Donc, j'ai pas celui de la gamme, enfin, du site ELF. Je n'ai pas le recourbe-cils du site ELF. J'en ai un autre. On verra si les embouts rentrent parce que les miens sont vraiment déchiquetés. Donc, voilà, j'en voulais de nouveau pour vraiment le réutiliser parce que ça fait un petit temps que je ne le réutilise plus. Donc voilà, et ça, ça m'a coûté 1€. Donc voilà, de nouveau de la gamme ELF, 1€, ça en vaut la peine. Surtout si vous avez celui-là de ELF, le petit recourbe-cils de ELF. Voilà, 1€, c'est rien du tout. Alors ensuite, vous me connaissez, donc j'ai évidemment craqué sur les nouveaux rouges à lèvres de chez ELF de la gamme Studio. Donc c'est ceux qui se présentent comme ceci, vous voyez avec la petite pastille, on voit la couleur du rouge à lèvres. Et j'ai vraiment voulu tester parce que déjà de 1, les couleurs me plaisaient trop et elles me plaisent en vrai. Parce que je les ai déjà swatchées pour savoir comment c'est. Et franchement les couleurs sont juste magnifiques. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors voilà, donc j'en ai commandé 1, 2, 3, 4... J'en ai commandé 5. Donc voilà, vous voyez les petites pastilles là, c'est super pratique pour quand vous rangez vos rouges à lèvres, vous savez exactement quelle teinte c'est et vous ne devez pas ouvrir et regarder. Donc ça, c'est vraiment juste génial parce que dans tout leur rouge à lèvres, il n'y avait pas ça, à part évidemment de la gamme Studio. Les tout longs comme ça, il y avait la petite pastille, mais c'était pas le vrai rouge à lèvres. Là, c'est vraiment le vrai rouge à lèvres. Donc voilà. Enfin, moi, je trouve ça un petit point positif et je voulais tester en même temps. Donc voilà, je suis super contente. Donc on va passer déjà à la couleur. Donc je vais vous présenter le premier qui est le Pink Minx. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez vraiment voir les écritures. C'est un magnifique rose. Il est juste très 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 joli. C'est un rose pas Barbie, mais je sais pas comment vous le définir, mais il est juste magnifique. Je vais vous le swatcher, de toute façon vous allez voir. Voilà, c'est pas un vieux rose parce qu'à la caméra j'ai l'impression qu'il ressort comme un vieux rose, mais c'est pas un vieux rose, il est un peu plus peps que ça. Donc j'espère qu'il va quand même bien sortir à la caméra, mais il est vraiment peps, on le voit pas fort. Mais voilà, donc voilà ce qui donne sur les lèvres. Voilà. J'ai déjà les lèvres très foncées à la base, donc voilà. Et en plus, je viens d'enlever mon rouge à lèvres précédent, donc c'est normal que mes lèvres réagissent. Donc c'est dommage, mais voilà. C'est franchement, en vrai, il n'est pas aussi foncé qu'à la caméra. En vrai, il fait... un beau rose, un beau... il relève bien les lèvres. Mais à la caméra, j'ai l'impression qu'il ne donne pas exactement pareil. Donc voilà ce qu'il donne. Le Coral Cutie. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Comme d'habitude. Donc ça, c'est un magnifique corail. Comme vous l'avez remarqué par le nom. Je vais juste vous le swatcher. Ils sont vraiment très pigmentés. Et surtout très crémeux. Donc voilà ce qu'il donne. Il est juste ici. Il est vraiment magnifique ce rouge à lèvres là. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Il est juste magnifique. Mais comme encore une fois, il rend un tout petit peu plus clair que ce qu'il donne à la caméra. Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment un beau corail orangé comme ça. Enfin, il est trop magnifique. Donc voilà ce qu'il donne. Partie in the buff. Donc c'est un peu comme le nude de la gamme ELF à 1€. Sauf que le mien que j'ai, il est très sec et celui-là, il est vraiment très crémeux. Donc voilà comment il rend à la caméra. Et en swatch... il est... vous allez rien voir parce que c'est vraiment un nude, mais un nude quoi. Il est juste là, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose.
Donc voilà ce qui donne sur les lèvres. Je suis vraiment désolée, mais mes lèvres commencent à vraiment rougir, rougir, rougir. Donc ça donne pas vraiment ce que ça aurait donné sur des lèvres, je veux dire, sans avoir été acharnée dessus. Donc voilà, mais bon, vous pouvez un peu voir. Celui-là, il n'est pas super pigmenté. Il est, comment dire, c'est comme les lustres de MAC. Il est vraiment très... comme un baume au début. Et après, petit à petit, la couleur vient. Donc voilà. Le Velvet Rope. Voilà, donc ça, c'est un rouge vraiment peps, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment peps. Et il est juste ici. Il est juste magnifique. C'est vraiment un très 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 joli rouge. Il est vraiment crémeux et très 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 bien pigmenté, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très agréable. Flirty and Fabulous. Donc voilà, voilà. Là, comme vous l'avez constaté, c'est un magnifique fuchsia. C'est pour celui-là que j'ai commandé spécialement. Il est trop 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 beau. Il est vraiment magnifique. Je vais vous faire un swatch. Voici. Donc lui aussi, c'est comme un lustre de MAC. Il est... il faut vraiment y aller pour avoir plus en plus une couleur. Donc voilà, c'est un peu dommage. Il y a juste celui-là, celui-là et celui-là qui est vraiment au passage très pigmenté, rond. Donc vous m'excuserez juste après le rouge. Voilà, c'est un peu cracra, un peu... il donne vraiment pas comme ça. En vrai, il est un petit peu beaucoup plus clair déjà. Et je suis sûre que sans que mes lèvres soient rouges, sans que mes lèvres soient un peu, on va dire qu'elles soient un peu attaquées par le démaquillant, par le frottage, etc. Donc ça les rend un peu plus foncées de base. Donc déjà qu'elles sont foncées à la base. Alors avec tout ce que je fais là pour vous montrer ce que ça rend en swatch sur les lèvres, voilà, vous m'excuserez. Mais voilà, c'est vraiment un très 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 beau fuchsia, j'adore. Donc voilà les filles, c'est tout pour ce haul. C'est un petit haul, voilà, j'ai pas fait un énorme craquage. J'ai fait aussi la commande parce que les frais de port étaient à 2 €. Donc voilà, j'en ai profité. Et j'avais absolument besoin de mes fossiles, donc voilà. Après, évidemment, j'ai encore craqué. Et surtout sur les rouges à lèvres, vous me connaissez que je suis une dingue des rouges à lèvres. Mais voilà, c'est plus fort que moi, j'en suis vraiment désolée si ça en dérange certaines. Mais voilà, je les ai commandées seulement, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, pour que vous puissiez voir... quels sont les rendus sur la main ou sur les lèvres. Voilà, je trouve ça très intéressant. Moi, j'adore regarder ce genre de vidéos-là parce que comme ça, je sais comment sont réellement, pas réellement, parce que voilà, la caméra, ça fausse toujours un tout petit peu, d'un tout petit chouïa. Mais au moins, je sais que par exemple, si c'est pas sec, si c'est crémeux, si... là, une bonne pigmentation, etc. Donc voilà, je trouvais ça vraiment très intéressant de vous faire ce petit haul là pour les nouveautés de chez LF. Je sais qu'ils ont sorti déjà depuis un petit moment, mais déjà j'attendais une réduction sur les frais de port parce que bon, payer 6 €, c'est un peu cher, je trouve. Je peux mettre 6 € dans un produit et là c'est 6 € dans le vent, on va dire, donc non. Donc voilà, j'ai attendu que les frais de port étaient réduits et je les ai eu à 2 €. Donc là, j'étais satisfaite. Et ensuite, voilà, parce que j'avais très envie de tester la marque, la nouvelle gamme de chez Studio. Donc voilà, ils sont vraiment... déjà le packaging, j'aime beaucoup. Bon, il fait cheap,
Mais j'aime beaucoup qu'on voit les pastilles comme ça, le vrai rouge à lèvres. Donc voilà aussi pourquoi je les ai commandées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine les filles. Mouah.